aujourd'hui c'est votre mercredi sur Our Collab is All You Need. J'espère vraiment que vous allez bien. Cette semaine, la question est: as-tu déjà rencontré une célébrité? Alors, rencontrer personnellement, genre je lui ai parlé et tout, non. Mais, alors, je connais une personne qui a joué dans le film Japlou. Il jouait Hervé, je crois qu'il s'appelait. C'était le palefrenier dans le film. Enfin, je lui ai déjà parlé à lui, mais c'est pas vraiment une célébrité, quoi. C'était juste un petit rôle. Après, j'ai déjà rencontré à l'aéroport Roland McDan, donc c'est un comique. Et j'avais vu une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il me semble que c'est une actrice et elle a un accent un petit peu comme ça. Elle parle très sautainement comme ça. C'est pas... À un moment dans le bus, j'ai cru voir Christian Clavier. Il avait le même nez, la même couleur de peau, la même couleur des yeux, mais il avait pas la même voix, donc je me suis dit que c'était pas lui. Et puis en même temps, qu'est-ce que Christian Clavier viendrait faire dans un bus? Donc voilà, et le thème de la semaine, c'est donner 5 conseils pour commencer sur YouTube. Alors déjà, le premier conseil, c'est vraiment d'y réfléchir et pas seulement pendant quelques jours, d'y penser vraiment pendant au moins un mois. Ça peut paraître énorme si jamais vous avez vraiment envie, et de toute façon je pourrais pas vous empêcher de commencer. Mais je trouve que quand on y réfléchit bien, il y a certaines fois on se dit non, en fait faut pas que je commence, parce que soit j'assumerai pas que les gens sachent pour mes vidéos, soit que j'arriverai pas à être régulière, soit parce que j'ai des problèmes, enfin je suis pas forcément bonne à l'école ou que j'ai des mauvais résultats en ce moment ou quoi que ce soit. Dans ce cas là c'est pas la peine, parce qu'il faut vraiment penser que, enfin faut mettre vos priorités en premier, enfin. Pour moi, YouTube, c'est un loisir et ça passe bien après mes cours ou mes amis ou ma famille. Alors évidemment, ça me fait très plaisir, mais je veux dire, je suis capable de m'en passer de faire des vidéos en tous les cas. Je suis vraiment capable de m'en passer. Il faut vraiment vous dire que ça ne doit pas être quelque chose dont vous dépendez en fait. Deuxième conseil, c'est de s'entraîner et de ne pas commencer les vidéos directement. Moi c'est ce que j'ai fait directement, en gros je faisais une vidéo comme ça, donc je la faisais une fois pour me préparer et une fois je la tournais. Sauf que c'était comme ça, sans montage du tout, c'est à dire que pour dire au revoir ça faisait comme ça, c'était vraiment pas joli et pas esthétique, je parlais pas fort, j'étais timide. Je regardais pas du tout, enfin pas tout le temps la caméra et tout, donc ça c'est vraiment... Enfin moi vous voyez là j'ai mes yeux qui virent un peu partout, mais c'est pour chercher mon inspiration tout ça, mais sinon faut vraiment penser à regarder la caméra parce que comme ça on s'adresse bien à notre public. Troisième conseil, réfléchir à son pseudo, parce qu'il faut pas mettre n'importe quoi, faut penser qu'il va vous suivre tout le temps, faut mettre quelque chose qui a un sens mais qui soit quand même simple, parce que si vous mettez, je sais pas, genre... Make-up addict forever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça n'a aucun sens. Donc il faut que votre pseudo, si possible, il soit court ou alors qu'il soit facile à retenir. Par exemple, vous avez je ne suis pas jolie, ça c'est un mot français, vous mettez tout attaché, c'est très simple à se rappeler. Quatrième conseil, c'est de créer des réseaux sociaux pour qu'on puisse vous joindre. Alors moi au départ j'avais fait une page Facebook, sauf qu'au final elle me servait pas à grand chose à part pour dire oh j'ai fait une nouvelle vidéo, donc du coup j'ai pas, je l'ai carrément supprimé parce que j'ai changé pseudo en cours de route. Au début j'avais genre conseil simple beauté et je trouvais ça vraiment merdique et j'avais envie de faire des vidéos des fois autres que sur la beauté, donc je me suis dit comme ça pourrait me permettre de pas me limiter à ça. Et Mrs. Dream, j'y avais pensé un peu avant mais je l'avais pas fait et du coup là je l'ai fait. À partir de ce moment-là, j'ai enlevé tous mes réseaux sociaux de conseils simple beauté et j'ai fait en Mrs. Dream. Donc mon Twitter, mon Instagram, c'est Mrs. Dream. J'ai une adresse email, ça c'est très important, l'adresse email pour contacter des personnes. Mon cinquième conseil, c'est d'avoir de l'assurance et avoir assez confiance en soi pour que si vous recevez des critiques de gens que vous connaissez, que ça ne vous atteigne pas. Bien sûr, je ne veux pas parler de vos amis proches, parce que moi j'ai des amis, si elles me font des critiques positives ou négatives, par exemple si elles me disent « Oh, je trouve que dans cette vidéo tu fais la gueule, faudrait que tu l'enlèves, machin », je vais dire, je vais prendre en compte parce que je sais que leur avis il est sincère et que c'est pas forcément pour me faire du mal, c'est juste pour me conseiller.
Alors que si une personne que je connais mais que je n'aime pas ou que j'ai pas forcément d'affinité avec me dit un truc comme ça, là ça peut m'atteindre, sauf que moi maintenant ça m'atteint pas. J'ai reçu des critiques de personnes de mon lycée et plutôt que me faire pleurer ou quoi que ce soit, ça me fait rire en fait. Parce que je me dis que ces personnes, elles s'abaissent à insulter des personnes qu'elles ne connaissent pas, parce que c'est pas parce qu'on a déjà vu une personne qu'on la connaît. Bah voilà, j'espère que mes conseils vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré une célébrité. Personnellement, j'aimerais beaucoup rencontrer Yann Sommerauer parce que c'est un homme formidable et un acteur genre... TMTC, Sarah. Oh, cette expression de Kikou. Bref. Si vous avez des idées de thèmes, de questions, de challenges ou quoi que ce soit en commentaire, n'hésitez pas à le mettre, on sera ravis d'utiliser vos idées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.